Pour piloter un petit peu ce que font les élèves en classe avec leur iPad, on va utiliser l'application Teacher. Quand on ouvre, on voit les classes sur lesquelles on est inscrit qui vont apparaître, et à droite les leçons. Nous on va rentrer directement dans leçon et on va créer une leçon avec ce petit bouton plus. On va commencer par donner euh, un nom à cette leçon, sans observer ma calvitie, et ensuite dans modifier ici dans les applications, on va autoriser les applications que l'on souhaite utiliser. Donc moi par exemple, je vais utiliser dans mon cours GarageBand, par exemple, et je pourrais mettre d'autres applications. Mais là, c'est que GarageBand que je vais choisir. Ensuite, dans la section des sites internet, on va ajouter des sites internet autorisés pour les élèves. L'idée ici sera de faire un copier-coller des différents sites que vous autorisez pour vos élèves. Une fois qu'on met Entrée, et eh bien cette adresse va rentrer dans la liste blanche, c'est-à-dire dans les sites qui seront autorisés pour vos élèves. Et puis ensuite, je vais verrouiller dans Safari en fait ce site, ce qui aura pour effet de verrouiller bah, tous les autres sites. C'est-à-dire que les élèves n'auront accès qu'aux sites que vous aurez autorisés. Ensuite, il va vous falloir décider si vous activez ou non l'autorisation de l'utilisation de la caméra. Donc moi par exemple, comme je leur fais scanner des QR codes et que parfois ils se filment, et eh bien je vais l'activer en fonction de ce que j'ai prévu. Pareil avec AirDrop, c'est une fonction qui permet d'échanger des documents entre les iPads et en particulier que les élèves puissent m'envoyer leur travail. Ben bah moi, je vais l'activer, mais en fonction de, de votre activité, vous n'aurez peut-être pas besoin de l'activer. Une fois ces paramétrages terminés, on va cliquer sur Enregistrer notre leçon et bien sauvegarder. Si je tapote dessus, et eh bien elle s'ouvre. On me demande combien de temps je veux la mettre en place et donc bon ben bah moi j'ai mis 50 minutes. Une, une séance d'une heure de classe et ensuite je dois choisir sur quelle classe ou sur quel groupe je vais lancer cette activité alors les groupes en fait c'est ce qui est écrit ici exercice c'est un groupe que j'ai créé à l'intérieur de ma classe je vous montrerai ça dans une autre capsule éventuellement. Mais donc là, l'idée c'est peut-être plutôt de le mettre sur la classe musique. Alors regardez sur l'iPad élève, ce qui va se passer c'est que toutes les applications qui sont présentes vont disparaître pour ne laisser que les deux applications que j'ai autorisées, c'est-à-dire GarageBand et Safari. Et maintenant on va regarder si euh, les sites sont bien paramétrés. Donc j'ouvre l'application Safari, je vais taper euh, n'importe quoi, par exemple Google ou je sais pas quoi, Wikipédia. Et on voit qu'en fait ce site est bloqué parce que l'adresse est restreinte. Tandis que si je l'amène sur YouTube, eh bien là ce sera autorisé. Il pourra consulter d'ailleurs tout YouTube euh, parce que j'aurai autorisé tout YouTube. Si je lance euh, une vidéo, eh bien ça, ça marchera peu importe en fait la vidéo. Et voilà, une fois que c'est terminé, ben on peut quitter l'application puisqu'on a bien paramétré notre, notre timing. Mais on peut aussi éventuellement ouvrir la classe pour voir justement ce qui se passe et éventuellement euh, activer ou désactiver des restrictions. Mais ça, encore une fois, nous en parlerons un petit peu plus tard, plus en détail, parce que l'idée c'était vraiment de faire une capsule très très courte pour vous montrer que ici, vous voyez, on a bien ce, cet iPad numéro 8 qui est en vert parce que lui il est connecté. Et euh, les iPads qui sont rouges ne sont pas connectés. Si je clique dessus, bah je vais pouvoir, voilà, par exemple, ici, effacer les restrictions. Donc, ça veut dire que l'iPad sera libéré, entre guillemets, ou je pourrais ajouter d'autres sites. Enfin, voilà, a... On retrouve en fait les mêmes fonctionnalités que la création de classe, mais directement via l'espace classe. Et donc, c'est tout... complémentaire. En fait, on peut passer par les deux pour le faire. Voilà!